Hey, salut tout le monde, c'est Diablo. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Need for Speed 2015. Faites du bruit! Ça sert à rien, je vous entends pas. Vous avez dû passer pour un con devant votre PC ou votre téléphone là. Hein? Bon, voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va commencer la vidéo. Donc, voilà, j'ai modifié ma petite Mustang en off entre l'épisode 6 et cet épisode là. Donc, j'ai refait la peinture. Moi, voilà, après, pas toi. Totalement terminé hein, mais déjà là de comme ça je la trouve un peu plus stylée. C'est un joueur ça hein. Oh, c'est un bot, c'est un bot. Attendez, on va ah, donc il y a des joueurs là, on les voit hein, sur la map. Niveau 26, moi je suis déjà niveau 20 je crois hein, c'est ça, ouais, niveau 20, moitié du niveau 20. Donc on va faire des courses hein, on va essayer de se faire de la thune. Donc on va plutôt aller voir Mister Manu. Hein, on va clairement se TP parce que c'est assez loin quand même. On va faire du drift, comme ça on va avoir à la fois d'XP et de la thune. Donc là on va essayer de faire un petit paquet de pognon, hein. Au moins 50 000, ça serait pas mal. Et je pense qu'on va s'acheter une troisième voiture. Peut-être pas dans cet épisode, hein, je pense pas qu'on aura assez de thune, mais dans le prochain on va en prendre une troisième. On va plutôt la spécialiser dans le sprint, voilà, parce que la berger, je pense qu'on va plutôt la mettre dans la polyvalence, hein. Donc le tout gay, mais le test et style, ok, donc on est parti pour le tout gay, hop, juste une photo là, on va la faire juste avant, hop. Ouais, même pas de bagnole, c'est juste l'observatoire de Sinner's Peak. Mais bon, moi, comme ça fera un truc de plus à mon actif. Donc, comme j'ai dit, on fera un épisode spécial collectible. Hein. On fera du ferraille, on prendra tout. D'ailleurs, je pense que ça sera l'épisode suivant. Hein. Donc, la place du 8. Donc, c'est parti. Allez, on va commencer l'épreuve. Hop, qui va à la chasse? Ah, ouais, et on est prêt. De ouf. Ah, je tag de tes photos ouf. Donc là, par rapport au drift normal, là, le tout gay, faut. Merde, attends. Voilà, faut être premier et faire des points. Il faut rester avec le groupe ou pas? Non. Non, finalement, les trois premiers avec Manu. Faudra que je modifie le comportement un peu, hein. Faut que je désactive les aides là, j'ai toujours mis, je sais pas, je suis pas retourné dans le menu. Donc après on remettra les aides désactivées. Il y a toujours un petit blocage quand je drift. Salut à ceux qui arrivent sur live, dites-moi si le son il est trop fort par rapport à ma voix, parce que là j'ai pas trop le retour. Pas trop l'impression que qu'on m'entende. Bon, je suis un peu de la merde. Hein. Ah, ce virage là, je l'ai loupé. Bah, je fais de la merde. Ça va, il y avait un CP, on a le temps. Hop, je me suis fait dépasser par contre. Ah, ça va pas. Après, c'est en fonction des points donc. Ils me tiennent avec leur BRZ. Hein. Oula, 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 oula. Là, j'ai fait du tout droit. C'est good, ok Razor, merci. Et bienvenue sur le live. Faites coucou à YouTube, hein, parce que voilà, je passerai sur YouTube, même si on vous voit pas là. Razor est la deuxième personne qu'on sait pas qui c'est. Hop là, là je l'ai bien pris. Bon, je suis au clavier. Hein. Pour l'instant, je suis au clavier. Après, j'ai la mettre 360 de branchée, mais bon.
Si ça devient trop compliqué, je prendrai la manette, mais pour l'instant, le clavier j'y arrive, même si j'ai un peu de mal. Bon, ça passe là, ça passe nickel. On peut tenter des gros angles, hein. Plutôt rester au milieu de la route, la course. Hop. Après, je l'aurais mis, ouais. 40 points dans la tronche, 400 000 dans la tronche, donc hop. Fin de l'épreuve. Hop. Bon, bah 90 000. Ça fait pas, c'est pas mal. Bon, 4000 dollars, c'est pas énorme. Donc on a 4400, enfin 4040 du coup. J'avais plus que 40 balles. Que ouais. Allez, alors putain, il reste plus grand chose pour avoir le niveau 21. Manette, c'est plus simple, je pense. Après, quand tu as l'habitude des autres jeux, c'est dur de prendre la physique en main, je trouve. Ouais. C'est au top. Ok, c'est bien les petits trucs là. J'ai pas un point de vue là, un rond. Ah, courbe de drift, battez l'objectif pour... Ah ouais, il y a une courbe de drift là, j'ai pas fait gaffe. Donc il y a aussi des petits défis comme dans... Comme dans The Crew. Là, on doit drifter dans la courbe. Pas mal là. Yo, Icos by. Je suis désolé, dans la partie stream là, non, tu dois pas pouvoir y accéder hein, sur Discord. Mais là, je fais une vidéo sur YouTube, donc je préfère pas trop avoir de problème. Bon, c'est bon parce que là, ouais, je passe le truc, mais je peux pas faire le donuts aussi. Ouais. Bon, je suis passé niveau 21, vous avez vu. Je vais faire le donuts là. Voilà. Allez, toujours pas. Ah, c'est bon. Ouais. 8 sur 30. Hop. Hop, hop, hop. Donc, apparemment, j'ai la bouffe qui est arrivée par mon frère. Bon, ça attendra. On va faire la photo. Bon, au final, on fera quand même pas mal de freeride. Hein. J'ai dit que je ferai une vidéo spéciale freeride, mais là, vu qu'on tombe sur des collectibles, hop, on va le faire. Tac. Bon, deux secondes. Cinématique, là j'ai préféré rien dire. Nikos, t'as testé tes maps, donc pour Trackmania, je regarde le en dessous, hein, dans la partie message, je ferai après, à 15h. Donc la partie mapping, bah, je testerai aussi les maps. Hein. Voilà. Donc là, on est sur Need for Speed Underground. Alors dites-moi si ça vous tente que je fasse aussi des vidéos sur les autres, dans les anciens Need for Speed, parce que j'ai installé Most Wanted 2012, Revolt c'était déjà installé. J'ai aussi Hot Pursuit. Ouais, je peux très bien récupérer Underground 2, Underground 1, même les anciens, Hot Pursuit 2. On est en état de liberté, mais ça va... je pense que ça va piquer les yeux un peu. Allez, donc là, il y a des pièces, là, on va les récupérer. Hop. Frein à main paramétrable. Okay. Hop, faudra arrêter le frein à main, mais si je n'utilise pas trop le frein à main, je préfère utiliser les freins. Ouais, j'ai un coup de frein, hop, ça part. Donc on va continuer les courses là, je me balade un peu sur la map. On fera ça dans une autre vidéo. Donc Manu, on va continuer les courses de Manu. Hein. Donc le bunker, hop, itinéraire. Voilà, tac, 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 tac.
Tac, on va s'y rendre en voiture cette fois, donc à 10 km, comme ça on va permettre, on va pouvoir collecter des trucs sur le chemin. Donc là il y avait une photo, il y a un donut, on va prendre ça. C'est de l'autre côté je crois. Et là mais de ce niveau là. Voilà. Bon, ouais, même pas bagnole. Tu auras B, vu sur l'océan. Ouais. J'ai tout pété. Vu sur l'océan, on voit pas trop là. De nuit avec la flotte. Magnifique. Dans le prochain surfeed, ça sera de jour aussi. On va profiter des environnements en pleine journée. Ça sera pas mal, même si ça sera pas le même endroit. Hein. Donc ça est inspiré de Payback, de Las Vegas, je crois, le prochain surfeed. Inspiré de Las Vegas. On va faire le donut, voilà. Okay. Donc les courses avec toutes les petites étoiles, on les fera plus tard. Hein. On va se focaliser sur le let's play. À la limite, quand je l'aurai fini, après on pourra faire des petites vidéos détente dessus de temps en temps. D'ailleurs, si vous avez le jeu hein, là, sur le live, vous pouvez me rejoindre. Je crois qu'on peut faire les courses en crew, hein, enfin à plusieurs. Je serai juste les cinématiques hein, de mon côté. Là, je fais un peu de la merde là. Des petites routes de montagne là, c'est pas mal. Hein. Ça a tendance à rester sur le drift, hein, même quand j'annule. C'est Need for Speed 2015. Enfin, c'est Need for Speed tout court en fait. C'est le reboot de la série. Tu tapes Need for Speed. Voilà, c'est le jeu. Bon, je suis en train de refaire la peinture là. Ah, j'ai tout raté. Oh là là. On dirait l'autre con là dans Fast and Furious 3 quand il apprend à drifter. Ça me tente bien d'acheter une Evo d'ailleurs. Je pense que la prochaine bagnole ça sera une petite Mitsu Evo 9. Je crois que c'est la 9 qui est dans le jeu. Ah putain. Mon siège qui s'est paré en couille encore. Bon, ça a quand même assez long. Hein. Je disais que la map était assez petite, mais en fait, quand même des bonnes distances entre les différents quartiers. Ah, c'est bon, on arrive sur l'autoroute. Voilà, ouais, j'ai eu du vol là. On est un peu amoché là, la Mustang. Après, au fur et à mesure, je crois que ça se répare. Et puis après, si on passe dans une station au service, on peut la réparer directement. Ah, 22 live flic, mais bon, elle est au-dessus, donc je m'en fous. Ça pardonne pas, à peine on touche, paf. Parlons le décor. Voilà, sur la minimap, on voit un joueur, c'est un IA. Sur la droite. Sur la gauche, pardon. Ah non, là, voilà, on le voit plus du coup. On verra pour défiler des joueurs en freeride. Histoire de faire un peu de pognon. Bon, sinon moi je vais faire un petit peu ma preview hein, même si on est qu'au 7ème épisode, mais pour l'instant je trouve plutôt pas mal hein, malgré les petits soucis techniques que j'ai eu au début du let's play. Là ça a l'air d'être réglé. Je fais une demande d'amis via Origin. Ok, bah, je t'ajouterai après quand je finirai l'épisode. Pour le prochain on verra pour jouer ensemble Razor. Là, il y a des joueurs qui se rejoignent la partie. De toute façon, voilà, si t'arrives à lancer le jeu et à me rejoindre, bon, il faudrait peut-être que je t'accepte, donc je verrai ça plus tard. Moi, je suis un peu de la merde. Hein. Un score établi, ouais, bah, forcément. Arrive comme un bourrin. Par contre, là, les couleurs sont pas mal, là, ouais, rouge comme ça. Ah,
petite civique là qui vient de passer. Bon, par contre, ce qui est un peu dommage dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas énormément de voitures. Enfin, il n'y a pas énormément de choix de voitures. Je trouve que. Ils sont pas, pas énormément. Je crois qu'il y en a 42, 43. Ou plutôt 44 avec les deux retraites hein, qu'ils ont ajouté. Avec cinématique, je coupe le micro. Mec, vise un peu. Tu dois encore apprendre, petit scarabée. Comment t'as su que j'étais là, mec? Je croyais que tu méditais. Je visualise tout. C'est le but de la méditation, c'est d'être plus présent, Spike. Pas d'être. Elle est pas mal, petite. Ça, t'as le temps de méditer 180 derrière. Quoi, c'est sûr. Petit ouais. Traîneau aussi. Carrément. Et alors? Ça rime à rien de s'asseoir sur un tapis de méditation avant une course, mec. Non, il faut être gonflé à bloc, écouter de la musique à donf. À bloc? Ok. Prends ça. Ça. Ouais, je vois que t'es sur la bonne voie. Oh, bien, allez, c'est que parti pour les copyrights. Je suppose que tu connais Ken Block. Ah, ça y est. Ken Block. Des heures et des heures de rodéo. Il a fait des vidéos de malade. Celles de Gymkhana ont été vues plus de 100 millions de fois. C'est comme regarder un film d'action, mais en vrai, quoi. Tu les as sûrement déjà vus, mais il en a peut-être mis des nouvelles. Oh. Je t'enverrai le lien. Ça te fera une source d'inspiration. Et on fera le trait entre les hommes et les gamins. Ouais. Approche. Je l'aime bien lui. T'as une sacrée poignée de main. Hein. Gonzesse. Boulos. Bon, je pense qu'au montage, je mettrai un petit victim bolos. Fais le mec qui brasse là de l'inquiéter acide. Dans le bon bain. Bon, j'ai eu un nouveau succès. Bon, ça fait déjà une demi-heure de vidéo. On va faire encore une petite course et après on va s'arrêter là. J'enchaînerai avec la petite vidéo spéciale freeride. Hein, puis j'inviterai Razor. On va faire juste la petite photo là. C'est vrai qu'elle est proche aussi. C'est des proches, c'est pas des refs. Okay. Uf. La vie pure. Bon, sinon, on fait une course random. Ouais, on va checker la carte là. La carte, hein, j'ai dit. Hop. Ah, tiens, on va faire ça là, le sprint ici. Un peu facile, hop. Ça, on se fera un peu de pognon. C'est dommage qu'on l'a pas celle-là, la G35 pardon. La Infinity. Par contre je crois que en payback elle sera disponible pour la jouer. La Infinity. On va faire le sprint. Ah putain, évidemment, faut que je tombe nez avec un flic juste avant de lancer le truc. On va passer vite fait dans la station. Bon, ça va, c'est pas comme dans Need for Speed. Comme dans GTA, hein, on va pas exploser. Bon, Pavis Fight. Ah, c'est une Dodge cette fois, c'est pas une gros Victoria. Ouais, qu'est-ce qu'il veut lui? Occupé là, mec. Je sais pas pourquoi, mais les flics m'en veulent. Ah bon? Y'a quelqu'un? Ouais, je disais que j'irais bien faire un petit tour à El Rey. Pour un petit toguet sympa. Moi ça me va. Tu veux venir? Ouais, pourquoi pas. Ça me fera du bien. Tu pars quand? Bientôt. Ok, j'ai juste 2-3 trucs à régler. Cool, on se voit là-bas. Ouais, salut. Hey, mon pote, écoute. Ouais. Je sais pas ce qui énerve les flics comme ça, mais toi aussi tu devrais venir à El Rey. On pourra se faire de jolis petits drifts là-bas. Allez. Voilà, on a débloqué le touguet. Bon, bah du coup je me suis un peu éloigné de la course. Hop, on va faire le petit donuts là.
Voilà, récupère la pièce. Déjà 10 sur 30, hein, à peine, on plus énormément. Tant mieux, hein, parce que après c'est un peu chiant de collecter tout ça. Hop, pièce gratuite, échappement course et catalysé, ok. Là, il y a une photo là-bas, ça en fera la zone. La petite zone portuaire là, pas mal. Hein. Hop. Bon après quand j'aurai un peu de thunes, mettre un petit kit large hein, sur la Mustang là. On va mettre un petit kit RTR. Hein. Bien stylé d'ailleurs. Bon, on va faire un petit drift là-bas. Hein. Course au pif de toute façon. Ah, il y a une pièce. Est-ce que ouais, on peut passer par là. Hop, collecteur symétrique, ok. Bah du coup on va refaire le sprint, hein. On va retourner là, hop. Hop, allez 350, 35 000 points de drift, donc c'est du drift, hein, c'est pas du sprint. Ah, défi quotidien terminé, bah, c'est nickel, j'ai gagné 20 000 crédits et des vinyles exclusifs, c'est nickel. Voilà, on s'est fait 20 000 crédits en faisant un truc, je sais même pas ce que j'ai fait. Là je me suis refait un niveau de thune. Les petits ralentissements là, cette partie de la ville. J'ai un peu de temps en temps j'ai un peu le son qui. C'est un peu bizarre. Bah, en vrai mon processeur est 100% là, donc je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si vous avez des lags sur le live là, mais. Là, il est à 100% le processeur. Il faudra vraiment que j'active les aides, hein, c'est pas terrible. Hein. J'ai l'impression que c'est la contrôle d'attraction là, qui s'active à un moment donné. Voilà. Bon, je pense que je pourrais au moins faire 35 000 là. Ouais, il me reste encore 4 CP. Des limites, hein, parce que j'ai fait pas mal de conneries et tout ça pour 2000 crédits, c'est pas énorme. Hop, bon, sans moins là, 2 XP aussi. Voilà, donc moi je vais m'arrêter là pour le premier épisode, enfin pour l'épisode 7 du SP de Need for Speed. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao, c'était Diablo et bah ciao, enfin, ciao, ciao, ciao.